Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Bussière, producteur laitier de grande culture à Yamaska, en Montérégie. 25 % de mes terres sont dans le littoral du lac Saint-Pierre. Mon père a acheté la ferme en 1966, quand il avait 18 ans. Il rêvait d'être producteur laitier. Aujourd'hui, je suis propriétaire unique. Une production de 135 kg de quota. Une ferme qui est totalement robotisée. Environ 141-144 hectares de culture. Maïs, soya, blé et les foins. On cultive dans le littoral du lac Saint-Pierre, puis on fait nos efforts pour essayer de préserver l'environnement. Alors, on s'est aperçu que la faune de l'agriculture, c'est deux incontournables. On a beau essayer d'avoir les meilleurs rendements de maïs, je suis le premier à voir les impacts d'une agriculture intensive non raisonnée sur la faune. Il faut changer notre mentalité pour essayer de faire des meilleures pratiques culturelles. Les principaux enjeux de cultiver aux abords du lac Saint-Pierre, c'est de préserver les cultures, d'éviter les érosions des sols. Il faut évoluer, on est rendu là, à faire des bandes riveraines, les cultures de travail minimum pour nous aider à pallier les problèmes du lac Saint-Pierre. On a besoin de personnes compétentes. On a Yasmina qui travaille pour l'UPA, qui connaît le dossier. Puis on a Benoît Laferrière qui est agronome. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans la région, dans le littoral du lac Saint-Pierre. Et son expertise nous aide à avancer davantage. En plus de ça, on travaille avec la faune pour les cultures pérennes qui sont dans les terres de la couronne. L'idée de l'Alpice roseau est arrivée en 2017. 2017, il y a eu une inondation d'une période d'un mois à deux mois. Durant cette période-là, toutes mes cultures de luzerne, de maïs sont décédées. Mais au même moment que je ressemais une autre culture du maïs ou du soya, je regardais les terres de la couronne. Il y a eu un pouce, deux pouces de limon. L'Alpice roseau est sorti. Le rendement n'a pas été affecté. La culture est encore là. L'implantation de l'Alpice roseau pour des producteurs laitiers est vraiment une alternative vraiment souhaitable parce que justement, une fois implantée, c'est une plante qui est capable de résister aux inondations printanières. Puis aussi, ça peut être assez volumineux là, en rendement. Et peut apporter beaucoup de fibres. Donc, c'est quand même une bonne source là, de fibres qui pourraient être implantées dans l'alimentation des vaches laitières. Les défis agronomiques de l'Alpice roseau, c'est une plante qui est vraiment coriace une fois implantée, mais l'implantation est vraiment difficile. On l'a implantée cette année. Il va falloir être patient sur une période d'un an ou deux. On l'observe, cette parcelle-là, puis on a beaucoup d'attentes. C'est agréable de se promener sur nos terres, de voir la biodiversité arriver, de voir des oiseaux qui n'existaient pas ici ou qui étaient presque disparus de la région. C'est vraiment encourageant. Ce matin encore, en arrivant, on avait les grandes grues du Canada à l'arrière de la ferme. Là. Un oiseau qui est arrivé, ça fait 4-5 ans. Le godelu, un oiseau qui était menacé, c'est ici, dans les parcelles de la couronne, qu'on a les meilleurs résultats selon les personnes de la faune. Imaginons que l'Alpice roseau fonctionne, ça serait énorme comme bénéfice pour l'entreprise parce que j'aurais pu à implanter de la luzerne. Je suis capable de générer des revenus, je suis capable de savoir ce qui va m'arriver l'année prochaine parce que mon foin va être présent. Ça, c'est pour mon entreprise. Et pour la faune, avec les intervenants, on est capable de retarder une fauche s'il y a des oiseaux qui sont menacés, en plus d'éviter l'érosion des sols. On est gagnant sur toute la ligne.